3, 2, 1, on éteint les lumières! Oh là 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 là, salut à tous les amis! Salut à tous les amis! Regardez, on est dans le noir et là, ouais, il est 3h du matin. On fait cette vidéo super tard, en plein milieu de la nuit comme ça. Vous allez vous demander pourquoi on a éteint toutes les lumières de notre maison. Là, on a coupé toutes les lumières. On peut plus allumer les lumières dans notre maison. Là, si on n'a pas ça, on voit. Moi, j'ai une lumière sur ma caméra pour pouvoir filmer. Et eux, ils ont chacun une petite lumière de couleur comme ça, ouais, parce qu'aujourd'hui on va faire un cache-cache nocturne, un cache-cache la nuit à 3h du matin. Alors incroyable, peut-être pas. Mais non, mais surtout qu'on est 3h du matin. Donc ouais, ça peut faire peur. Donc aujourd'hui on est avec notre cousin Valentin, avec Peppa Pink et avec Lily Rose. Ouais. Bon. On a vu une légende, hier soir on s'est raconté des histoires qui font peur et là il y avait une histoire sur internet que j'ai trouvée, elle est incroyable, j'en ai entendu parler sur TikTok et c'était un américain, c'était pas un français, c'était arrivé aux États-Unis. Il racontait qu'il avait fait un cache-cache chez lui avec toute sa famille à 3h du matin et que chacun s'est caché dans un coin, avait sa petite lumière. Et il y a 3 personnes de sa famille qui ont disparu pendant le cache-cache. Donc il a dit surtout ne faites jamais de cache-cache à 3h du matin. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Un cache-cache à 3h du matin. Aujourd'hui on va tester la légende. Non, j'ai trop peur parce que c'est la première fois que je fais un cache-cache dans le noir. Ça va être trop là, un cache-cache dans le noir ça surtout que ça va être hyper compliqué pour la personne qui cherche. Parce que du coup il y a une règle du jeu. C'est vous avez le droit de garder la lumière pendant que vous vous cachez. Mais dès que je dis éteignez les lumières, au bout de 30 secondes, tout le monde doit être dans le noir, sauf moi avec la caméra, sinon bah vous allez rien voir, évidemment. Bon allez, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts à partir? Oui. Ah oui, regardez, regardez. On a... Oula, oula. Regardez-moi ça. Aujourd'hui, on a acheté ce truc. Voilà, un petit bulleur comme ça, un méga bulleur. Regardez, il y en a partout. Et celui qui gagne le cache-cache a gagné ce méga bulleur. Bon allez, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Vous êtes prêts? Ouais. Bon allez, vous avez 30 secondes pour vous cacher. Allez, 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 tout le monde part. Tout le monde part. Ciao, 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 ciao. Bah je me retrouve sans couleur les amis, regardez, je suis dans le noir comme ça, juste avec ma petite lumière sur la caméra. Je vais me mettre dans un coin, comme d'habitude, comme on fait pour les cache-cache. Et j'espère que personne va gagner et que je vais pouvoir garder la machine à bulles pour moi. Allez, c'est parti, 3, 2, 1, 30, 29, 28... Je vous jure les amis que je triche pas. Hein. 3, 2, 1, c'est bon. C'est un peu long de compter 30 secondes comme ça. Bon, j'ai entendu beaucoup de bruit en bas, donc à mon avis, ils ont trouvé des super cachettes. J'espère que non, parce que moi, je veux garder ma petite machine à bulles comme ça. Bon, faut pas faire ça dans la maison normalement parce que ça met plein de savon partout. Enfin bref, allez, c'est parti. J'arrive, éteignez vos lumières. Y'a quelqu'un ici? Oh, ça fait trop bizarre. D'habitude dans les cache-cache, on voit toute la pièce comme ça. En plus ça résonne dans notre salon. Là je vois vraiment rien. Y'a quelqu'un? Bon, on va tester dans le cellier pour... Pourquoi y'a une lumière allumée? Lily Rose? Ça c'est la lumière rose, c'est la lumière de Lily Rose. Lily Rose? T'es là? C'est une blague. Pourquoi elle a laissé la lumière allumée? Lily Rose, t'es cachée ici? T'as pas écouté les règles, on avait dit quand on est caché, on éteint les lumières. Lily! Non, elle est pas cachée ici. T'es dans les sacs? Non, elle est pas dans les sacs. Lily Rose! Oh, ils ont pas écouté les règles. Non, mais personne va gagner la machine à bulles si c'est ça. Lily... C'est quoi ça là-bas? Regardez, il y a encore une lumière, c'est une lumière rouge. Eh oh! Il y a quelqu'un ici? Valentin, c'est toi? C'est Valentin qui avait la lumière rouge. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh oh, Valentin! Oh, c'est pas possible! Mais ils ont pas écouté mes consignes! Eh oh! Non, mais vous écoutez rien! Y'a quelqu'un ici? T'es caché dans les toilettes? T'es dans le... T'es dans l'armoire? T'es dans le dressing? Oh, c'est pas possible! Non, mais j'espère que vous êtes pas en train de me faire un prank, là! Parce que c'est moi qui vais commencer! Je vais commencer à avoir peur! Y'a quelqu'un? Eh oh! Vous avez abandonné le cache-cache? Vous m'avez laissé tout seul dans la maison? Si ça continue, je vais allumer les lumières, moi. Eh oh, c'est quoi ça? C'est une blague? C'est la lumière de Peppa Pink? Pourquoi elle est en plein milieu de la pièce comme ça? Peppa Pink, toi aussi, tu me fais une blague? Oh, c'est pas possible, les amis. Je vais augmenter la lumière sur ma caméra parce que je commence sérieusement à avoir peur. Peppa Pink, Lily Rose, vous me faites une blague?
Y'a quelqu'un ici? Eh oh, y'a quelqu'un? Stéphane, qu'est-ce que tu fais là? Chut. Stéphane, faut vraiment qu'on arrête le cache-cache. Pourquoi t'as laissé ta lumière dans un placard? Faut vraiment qu'on arrête le cache-cache là. Tiens, on s'est fait poursuivre. Tiens, attends. Qu'est-ce qu'il y a? On s'est fait poursuivre par un monstre là pendant qu'on était en train de se cacher. Attends, j'ai pas suivi. Faut arrêter le cache-cache maintenant. Oui, faut vraiment arrêter là, ça devient super grave. Qu'est-ce qui se passe? On s'est fait poursuivre par un monstre. Un monstre? Oui. Mais qu'est-ce que c'est? C'est vrai ça, Valentin? Oui, il est terrifiant. Je veux plus sortir de cette pièce. C'est pour ça qu'on a laissé nos lumières. On s'est vite dépêché. On est venu ici dans une pièce bien cachée. Vous êtes fait poursuivre par un monstre? Oui. Comme dans la vidéo qu'on a regardée hier. Comme dans la légende d'hier. Ah, ça tombe, c'était vrai, faut vraiment pas faire un cache-cache à 3h du matin. Et pourquoi vous avez laissé vos lumières comme ça? Mais parce que, je sais pas, on les a laissées comme ça. Vous avez eu tellement peur que vous les avez laissées? Bah oui, dans la précipitation. Vous avez su venir ici jusque... Enfin, jusque dans cette pièce dans le noir, ça va. Bon, et... Ah oui, et Peppa Pig? Et où, c'est vrai? Oh non. Il faut le chercher là, même si c'est un peu... Il faut le chercher, ouais, faut le chercher. Il a laissé sa lumière en plein milieu de la pièce, je l'ai pas ramassé. Bon, utilisez vos lumières là, je vous autorise. C'est vrai qu'on peut même pas allumer la lumière de notre maison parce que on a tout coupé. Oh là là, c'est pas possible. Bon, écoutez, moi je vais prendre ça, je vais transformer ça en lumière blanche. Hop, voilà, ça va nous permettre d'éclairer un peu ce qui se passe. Bon, ah, c'est le chat, j'ai eu peur. C'est pas lui le monstre. Ça va le chat? T'as vu quelque... Il joue avec la... Oh, il joue avec la lumière. Allez, bon, lui, il manque pas de lumière. Hein. Ouais. En plus, les chats, ça voit dans l'obscurité, ça voit dans le noir. Allez, tu suis la lumière. Hop là. Hop. Bon, allez. Bon, là, on est en train de rigoler, mais c'est vraiment pas drôle. Il y a un monstre qui a poursuivi... Prends la lumière, en fait. Je suis en train de tenir la caméra. Allez, il y a quelqu'un. Va regarder dans la salle de bain qui est là. Allez, regardez dans la buanderie. Il y a quelqu'un. Y'a quelqu'un ici? Il dit Rose! Il dit Rose, Valentin! C'est quoi ça? Regardez! Venez voir! C'est lui qui vous a poursuivi? Oui, c'est lui! Qu'est-ce que vous faites ici? Non! Ça vous a pas servi de leçon? Il a la lumière de Peppa Pig! Qu'est-ce que t'as fait de notre père? C'est vous qui avez pris Peppa Pig! Eh bien sûr, Théo! Et toi, tu sais bien ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver? C'est pas drôle du tout! Bon, je vais me cacher, tu vas regarder. Cachez-vous, cachez-vous! Reviens ici! Retournez là-bas! Reviens ici! Ah, vite! Vite! Non, on se cache tous ici! On se cache tous ici! Oh là là! Mais c'est quoi? En plus, il a vraiment une tête horrible! C'est lui qui vous a poursuivi? Ouais! Oui. Je le reconnais, enfin, j'avais pas totalement vu son visage, mais en tout cas, j'avais vu sa cape noire! Ouais, on dirait un vieux monstre de la forêt là! Bon. C'est lui qui a dû mettre Peppa Pig quelque part. Il a dû lui jouer un tour ou... Il y a un problème là parce qu'il avait sa lumière autour du cou et... Oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas du tout là, faut vraiment qu'on sorte d'ici pour sauver Peppa Pig. Il est derrière la porte, il est en train de gratter. Oh, il y a quelqu'un? Oh, regardez, c'est quoi ça? C'est une clé. Il nous a passé une clé en dessous de la porte. Mais c'est peut-être la clé, parce que Peppa Pig il est peut-être enfermé dans une pièce. Si ça tombe, c'est la clé, oui, pour libérer Peppa Pig. Bon bah, mais c'est la clé de où? Je reconnais pas cette clé, bah, les amis. C'est vrai qu'on a pas de clé aussi grande. On l'a jamais montré dans une vidéo, ça permet pas d'ouvrir une pièce de notre maison, ça. On fait quoi? On y va ou pas? Bah ouais, mais bon, faut trouver quoi. Allez, les amis, on va ouvrir. On espère qu'il sera pas derrière. Oh non! Ah mais. Vite, la clé de où? C'est la clé où pouvez trouver Peppa Pig. Mais est-ce que vous avez caché? Souvenez-vous de la vidéo que vous avez regardée. Vous avez caché notre père? Pour vous. Mais non, partez pas comme ça! Partez pas comme ça! On a que 5 minutes, mais sinon qu'est-ce qui va se passer? Il est en train de partir! La solution est dans votre vidéo! La solution est dans votre vidéo. Quoi, ah mais oui, vidéo. La vidéo qu'on a regardée hier, la vidéo sur l'Américain qui a fait un cache-cache à 3h du... Ah oui! Je me souviens, la personne qui avait disparu de sa famille, c'était son père, sa sœur et son cousin. Et du coup, ils étaient cachés dans un passage secret chez eux. Mais nous, on n'a pas de passage secret chez nous. Où est-ce qu'il peut être? Ah si, je me souviens. Quand on est arrivé dans notre maison, dans cette maison, ça fait 2 ans bientôt, dans la cave, tu te souviens, il y avait comme une armoire et elle s'ouvre avec une clé. Ça tombe, Peppa Pig, qu'il est coincé dans l'armoire. Oh non! Allez, vas-y. Si, faut qu'on y aille. On va chercher cette armoire. Ouais, mais dans cette pièce il fait ultra noir, hein, donc on reste groupé. On reste groupé et on... On reste groupé. C'est dans la pièce du fond là-bas.
Bon, allez les amis, on va essayer de libérer Peppa Pink. Oh, le problème c'est qu'il y a plein de... Oh, il y a plein d'affaires, regardez-moi ça. Peppa Pink, t'es là? Peppa Pink? Léo! T'es ici? Peppa Pink! Peppa Pink! Il y a trop de bazar ici, regardez, il y a plein de trucs de travaux. Peppa Pink! T'es ici? Oh là là. C'est pas possible. Non, on voit rien. Ah non. Peppa Pink! Bon, allez, Lily Rose, c'est toi la plus petite. Toi, tu vas réussir à te faufiler. Ok. Allez, vas-y, bien voir. Prends cette lampe, tu vas réussir à te faufiler. Ah, dans, j'ai peur dans là, imagine le monstre. Non, t'inquiète pas. Le monstre va rien faire. T'entends? C'est quoi ce bruit? Peppa Pink? Attends, ça tombe, c'est Peppa Pink. Vas-y, avance, Lily Rose. Te voilà! Peppa Pink, il est là. Qu'est-ce que tu fais là? Il est ici. Peppa Pink. Viens, vite. Ça va? Mais qu'est-ce que tu fais ici? On avait pas eu le temps de la clé. J'ai réussi à me trouver. Ah, dans mon avis, il était coincé dans cette armoire. J'ai réussi à défoncer la porte de l'armoire qui est juste là. Ah, ça va. Ah, oui, il m'a bon, fait peur. Bon. Vous l'avez vu aussi? C'est bon. Oui, on l'a vu. Donc toi, il t'a enfermé, c'est ça? Bon, allez, on va essayer de sortir de cette cave. On s'en va. Ah, vite, on s'en va. De toute façon, il a l'air d'être parti. Il reviendra plus, à mon avis. Bon, vite. Mais tu vois, elle servait à quoi la clé? Vite. Hey, attendez-moi. Oui, bah oui, t'inquiète, on t'attend. Bon, bah la clé, elle servait à rien parce qu'il a réussi à sortir de l'armoire de tout. Il a réussi à sortir tout seul de l'armoire. Pardon, là, je suis perturbé. Bon, on va rallumer toutes les lumières. Faut appuyer sur cet interrupteur-là. Ok, c'est bon. Normalement, maintenant, on peut allumer les lumières. Ah, c'est bon, ça marche. On y voit clair maintenant. Ah, non, c'est moi, mieux. Je joue plus à cache-cache à 3h du matin comme ça. Ouais, c'est bien. Oh non. Ouais. Ouais, bon, les amis. On aurait dû se méfier dès le début. On va essayer de se remettre de nos émotions. Ah, ouais, vraiment, parce que là c'était terrifiant. Plus jamais on fait ça. Ça nous a un peu perturbé. À force de faire des vidéos comme ça, on va aller dormir. Oh, regardez ce chat. Il est tard. Qui a été perturbé également. Il a joué avec la lumière. Bon, on espère quand même que cette vidéo cache-cache à 3h du matin vous a plu. Si elle vous a plu, bah ne faites pas comme nous. Allez dormir à 3h du matin, ne jouez pas à cache-cache. Et surtout, cliquez sur une vidéo qui apparaît. Allez voir une autre vidéo sur notre chaîne, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et ça ferait extrêmement plaisir à Murphy le chat. Voilà, bon là qui renifle des chaussures. À la prochaine, et qu'est-ce qu'on dit? Ciao.